Alors, moi, je suis capitaine de corvette, officier communication dans la marine. Depuis 28 ans, pour moi un petit peu plus longtemps, j'ai commencé comme photographe sur le porte-avions Foch en 92. Et aujourd'hui, je suis responsable du recrutement pour la marine. Alors, en fait, dans le sud-ouest de la France. C'est le sud-ouest, ma zone, c'est toute l'Occitanie et puis 2/3 de la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 21 départements. Alors, en fait, je suis pas tout seul, hein. Moi, je coordonne, je suis un petit peu le pilote. Je m'appuie sur une équipe d'une cinquantaine de marins répartis dans les CIRFA, ce qu'on appelle les centres d'information et de recrutement des forces armées. Avec nous avons un exemple avec le CIRFA de Bordeaux et puis l'Interarmée. Et voilà. Et mon job aujourd'hui, c'est principalement de faire en sorte de nouer contact avec les jeunes pour leur monter des actions qui permettent aux jeunes, aux étudiants, aux lycéens de mieux nous connaître, mieux connaître la marine, ses différentes missions, ses nombreux métiers. Et toutes ces opportunités d'emploi. Alors, pour dire quelques mots sur la marine, on jouit globalement d'une bonne image, mais on se rend compte que les jeunes Français, et en particulier quand on habite loin des grands ports militaires de Brest et Toulon, nous connaissent un peu moins, et c'est tout à fait normal. La marine, on pense tout de suite à la mer, mais en fait, c'est aussi les sous-marins. On intervient sur trois milieux. Il y a la mer, mais il y a le milieu sous-marin, et on intervient aussi dans le ciel. On a des marins du ciel, c'est moins connu, c'est ce qu'on appelle l'aéronautique navale. Pour vous donner un petit exemple, les avions de chasse, les rafales qui apportent sur le porte-avions Charles de Gaulle, ce sont des rafales de la marine, pilotées par des pilotes de la marine nationale, qui conduisent des actions complémentaires des pilotes de l'armée de l'air. Donc voilà, on a un travail vraiment de communication, d'information sur la marine nationale. Et puis donc avec mon équipe et mes différentes équipes en fait réparties dans les CIRFA, eh bien on accompagne les jeunes, on noue des partenariats avec les lycées, les établissements scolaires, les universités, voilà, pour faire découvrir la marine et puis pour accompagner les jeunes dans des projets d'engagement. Voilà. Alors sinon, en quelques mots, la Marine nationale, c'est 39 000 marins, c'est des sous-marins nucléaires, 10 sous-marins, c'est 60, un peu plus de 70 bâtiments de combat, c'est plus de 200 aéronefs, parce qu'on a les avions de chasse, on a les hélicoptères, des avions de patrouille maritime, et puis c'est chaque année 4 000 jeunes recrutés. Du niveau 3e à bac plus 5, à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans, voilà, dans plus d'une cinquantaine de métiers. Voilà. Alors, on pense forcément aux métiers de la navigation, des opérations, mais il y a plein, plein, plein d'autres domaines dont on pense pas comme ça au premier abord. Par exemple, on a besoin de boulangers sur les bateaux, on a la restauration, on a le domaine du nucléaire, par exemple, pour la propulsion des sous-marins. On a plein plein de domaines, la cybersécurité, voilà, plein. Et donc tous ces métiers, en fait, voilà, on les fait découvrir aux jeunes, et c'est notre mission et c'est ma mission actuellement. J'ai obtenu un bac D à l'époque, ça s'appelait Sciences nat, maths et sciences nat. Et puis, en fait, j'étais passionné d'audiovisuel et j'avais voulu intégrer un BTS audiovisuel. Puis, mon niveau scolaire n'était pas suffisant, j'avais pas été pris et j'étais parti à l'université faire un DUG A à l'époque, ça s'appelait,
maths, physique. Puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi non plus. Et par chance, enfin voilà, par chance, il y avait un bureau d'information sur les carrières de la marine juste à côté de l'université. Et je me suis rendu compte que bah, je pouvais peut-être faire plus rapidement ma passion, accomplir plus rapidement ma passion dans la marine nationale, dans un milieu qui m'intéressait. Parce qu'en fait, initialement, je m'étais dit, voilà, je rentre à l'université, puis je ferai une maîtrise sciences et techniques audiovisuelles, mais c'était plus tardif, c'était plus loin. Et donc, voilà, j'ai découvert en fait que je pouvais faire de la photo de l'audiovisuel dans la marine nationale. Alors, j'étais pas issu d'une famille de militaires, mais je me suis dit, travailler toujours plutôt au bord de la mer, dans un cadre carré, ça me correspondait. Et puis, du coup, en fait, j'ai posé ma candidature et je suis rentré à l'école de Mestrance en 92, donc l'école des sous-officiers de la marine, officiers mariniers, comme on dit dans la marine, où j'ai fait mes classes en fait pendant 4 mois. Et puis, ça s'est suivi d'une formation de photographe, caméraman, qui a duré près d'un an. Et puis ensuite, j'ai, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai embarqué sur le porte-avions Foch, qui était ma première affectation de photographe pendant 3 ans, parce qu'en fait, vous allez voir, en fait, dans les armées en général et en particulier dans la marine, tous les 3 à 4 ans, on change d'affectation, en fait. Et du coup, ça permet d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles compétences. Et donc après avoir embarqué pendant 3 ans sur le porte-avions Foch, en fait, j'ai travaillé dans un autre service à terre, plutôt là dans l'audiovisuel, mais en fait, j'ai embarqué ponctuellement sur tous les bateaux de la marine pour faire des films, des reportages qui témoignent des missions des différents bateaux de la marine. Voilà, ça m'a amené à naviguer un petit peu sur toutes les mers du globe. Alors la marine continue à former en fait un peu comme toutes les armées. La particularité c'est qu'on se forme tout au long de notre carrière et en tant qu'officier marinier donc j'ai passé le brevet supérieur qui m'a permis de prendre davantage de responsabilités, de devenir réalisateur de films, de documentaires quoi. Je me suis retrouvé présentateur d'un magazine audiovisuel pendant 2 3 ans. Et puis voilà, et puis ça a duré en fait, c'était les 10 premières années de ma carrière, et j'avais la sensation d'avoir fait un petit peu le tour dans l'audiovisuel et dans la photo. Et en interne, j'ai présenté un concours qui m'a permis de devenir officier spécialisé dans l'audiovisuel. Et donc voilà, j'ai réussi le concours, et ce qui m'a amené du coup derrière à prendre la responsabilité d'un service audiovisuel, parce que la marine a 3 gros services audiovisuels, et je me suis retrouvé responsable du service audiovisuel de Brest, alors que les 10 premières années de ma carrière, je travaillais sur Toulon. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, je suis reparti sur le terrain, où j'ai travaillé comme journaliste, reporter pour le magazine Col Bleu de la Marine nationale. Alors là, c'était une super aventure parce que ça m'a permis de, après avoir été chef de service, en fait, de repartir sur le terrain, mais avec cette dimension d'écriture journalistique que j'ai appris un petit peu sur le tas et puis petit à petit avec les années qui s'est développée. À la suite de ce poste-là, je suis retourné en état-major où j'ai pris la direction du domaine photographique et audiovisuel pour la marine au niveau national. Là, c'était plus du RH parce que je dirigeais l'emploi de tous les photographes et caméramans de la marine nationale. Je m'occupais aussi de l'approvisionnement du matériel audiovisuel. Et puis ensuite, ma spécialité alors d'officier, donc audiovisuel, en fait, je me suis rapproché de la communication. Je suis devenu officier communication, relations publiques, on appelle ça dans la marine. Et j'ai pris des postes de com, en fait. Et alors, je me suis retrouvé, j'ai pu être affecté en fait en Martinique, aux Antilles, où je me suis retrouvé directeur de la communication pour les forces armées aux Antilles. Là, ma mission était différente. Je repartais sur le terrain et c'était de communiquer en liaison avec les médias locaux et puis parisiens, enfin tout type de médias sur les missions conduites par les forces armées aux Antilles.
Et c'était principalement la lutte contre le narcotrafic conduite par la marine, et puis la protection des populations en cas de catastrophe naturelle avec l'armée de terre et l'armée de l'air aussi. Et puis la lutte contre l'orpaillage, par exemple, avec la Guyane. C'était donc un premier poste de communication. Et ensuite, j'ai poursuivi la com à la préfecture maritime de l'Atlantique. Alors là, ça m'a amené à travailler un petit peu en interadministration au sein d'une préfecture, alors maritime, qui est dirigée par un marin, un amiral, parce que c'est une mission civile, mais qui est conduite par un amiral parce que la marine a la connaissance du milieu marin de par ses missions. Et alors là, c'était intéressant. En fait, mon job était de communiquer sur toutes les opérations d'action de l'État en mer, en fait, conduites le long du littoral métropolitain entre Saint-Malo et Bayonne, et de communiquer sur des opérations à laquelle participe la marine, mais pas que, des opérations dont on parle moins. Par exemple, le sauvetage des pêcheurs en difficulté au large des côtes. Entre la France et l'Angleterre, ou par exemple des navires en difficulté qui dérivent pendant plusieurs jours le long des côtes. Voilà, ça a été le genre d'opération sur laquelle j'ai été amené à faire un job de communicant, de gestion de crise, d'accompagnement de médias. Et puis, pour aller vite après, j'ai poursuivi. Là, j'ai changé de boulot un petit peu. C'est là où j'ai travaillé au cabinet de la ministre des Armées, Florence Parly, et puis Jean-Yves Le Drian, juste avant. Et alors là, mon job, c'était pas d'accompagner des médias ou d'encadrer des voyages de presse. Là, mon job, c'était de préparer et d'organiser les déplacements de la ministre à l'étranger, et d'organiser aussi toutes les visites de ministres de la Défense étrangers. À Paris, à l'hôtel de Brienne, où j'étais affecté. Donc un autre milieu en interministériel, mais passionnant aussi. Et puis dernier poste, voilà, je suis après ce poste-là. Donc je voulais retourner sur le terrain, travailler avec les équipes, avec les marins, et ce qui m'a amené, voilà, à prendre le poste de responsable du recrutement pour la marine dans le Sud-Ouest. Et puis là, je viens d'apprendre ces derniers jours que j'étais muté cet été au magazine Col Bleu. En fait, je retourne à Col Bleu pour devenir chef de rédaction du magazine Col Bleu, donc le magazine de la marine, du site web Col Bleu, des réseaux sociaux. Voilà. Après avoir été journaliste à Col Bleu, j'y retourne comme chef de rédaction. Et donc voilà, je suis très content. Juste avant, enfin, si vous me le permettez, Bien sûr. Je me fais juste, enfin, un constat. Quand j'écoutais Eva, Sylvain, David, ou Anne-Laure, ou Laurane, pardon, c'est qu'en fait, il y a quand même quelque chose, je vois, qui nous rejoint tous, c'est qu'on est tous passionnés par nos activités, que ce soit la musique ou l'image, et on arrive à accomplir notre passion finalement dans l'armée. Moi, pour ma part, je le dis souvent aux plus jeunes, quoi, ça fait 28 ans que je m'éclate, en fait, et je mets des pièces dans le jeu de boxe, et puis ça continue. Et puis j'ai toujours la chance, peut-être j'ai un parcours atypique, mais je pense qu'on a chacun on nous donne à chacun la possibilité d'avoir des parcours atypiques et de s'éclater quelque part, quoi. Alors, et la passion, ça ressort bien, je trouve, dans ces témoignages-là. Ce qui ressort aussi dans les témoignages de chacun, c'est qu'on se retrouve tous plus ou moins quand même avec des postes à responsabilité, pas mal de responsabilités assez rapidement. Eva, c'est clairement son cas, par exemple, quoi. On a des métiers qui sont quand même valorisants, quoi. Métiers à responsabilité, mais aussi valorisants. Et des métiers qui ont du sens, je trouve aussi, et puis qui nous permettent, enfin voilà, nos parcours nous permettent de progresser, d'évoluer tout au long de notre vie. Et ce qui m'amène un petit peu à donner, bon, c'est vrai que ma fonction actuelle m'amène à parler davantage de recrutement, mais un petit peu tout ça quand même.
c'est ce qui nous rejoint, c'est ce qui nous voilà, c'est ce qui nous lie les uns aux autres. Et pour ne rien vous cacher, quand on est en contact avec les jeunes, bah on leur en parle de tout ça et on leur dit effectivement que voilà pourquoi rentrer dans l'armée. Bah on leur parle un petit peu de voilà de ce service, de ces métiers, voilà où on a des responsabilités, etc. Et là voilà on l'a pas cherché, mais ce qui est marrant, c'est qu'avec ces quelques témoignages, bon, on se rend bien compte que c'est quand même notre vraie vie, quoi. On a tous des origines complètement différentes, des niveaux d'études différents, mais malgré tout, on se retrouve plus ou moins à voilà, avoir ces parcours un peu particuliers. Et puis alors ce jeu d'affectation qui nous amène à bouger régulièrement, bah, nous amène à, voilà, à croître, à acquérir des nouvelles expériences et à nous former finalement voilà, tout au long de notre carrière. Et en fait, donc voilà, moi, mon job aujourd'hui, pour revenir à mon job aujourd'hui, quand même, bon, hormis mettre en avant, voilà, ces particularités de l'emploi des métiers dans les armées. Mon job, moi, aujourd'hui, donc ouais, effectivement, c'est beaucoup de RH quand même, principalement parce que je fais du recrutement, mais je fais surtout beaucoup de RH. Quand je dis beaucoup de RH, c'est que bah, c'est faire en sorte que bah, mes équipes sur le terrain des différents CIRFA, donc comme je disais tout à l'heure, les centres d'information et de recrutement des forces armées, voilà, puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour ça, bah, voilà, je dois faire en sorte qu'ils soient déjà bien dans leur travail, qu'ils puissent progresser, répondre à leurs attentes de carrière, d'emploi et donc tout ça voilà faire la notation par exemple ça fait aussi partie de mon travail une fois par an je les reçois tous d'une façon un peu formelle où on fait un point de situation sur l'année écoulée les marges de progression les formations qu'ils souhaiteraient acquérir et puis leurs souhaits de carrière c'est aussi mon quotidien. Et puis voilà sinon donc pour revenir sur le cœur du métier, le recrutement, eh bien, c'est d'établir des partenariats avec l'éducation nationale, avec les universités, avec le monde de l'entreprise, pour parler de la marine, faire découvrir la marine et établir le contact avec les jeunes, comme j'en parlais tout à l'heure. Juste pour vous donner quelques exemples, par exemple, avec l'Académie de Montpellier que j'avais la semaine dernière en contact, et puis on était sur une réunion, l'Académie de Montpellier met en place ce qu'on appelle le brevet d'initiation à la mer. Si certains connaissent, un petit peu comme le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. C'est un brevet en fait qui permet à des jeunes lycéens et pas que de voilà de s'initier au monde de l'aéronautique ou de la mer pour le BIMER. Eh bien, j'ai participé à cette réunion-là parce que ce sont des jeunes, du coup, qui nous intéressent, qui s'intéressent au milieu marin, au milieu maritime. Et donc, les jeunes qui vont suivre le brevet d'initiation à la mer cette année, pour l'Académie de Montpellier, par exemple, eh bien, nous allons aller les voir, nous allons leur proposer des visites de navires en escale. Ils vont pouvoir découvrir la marine, échanger avec des marins. Des forces. Enfin, quand je dis des forces, c'est pour vous donner un exemple concret. C'est quand on a une frégate de la marine qui va faire escale à Port-Vendres ou à Sète, par exemple. Eh bien, moi, je vais faire en sorte que les jeunes de ce BIMER ou les jeunes de lycée que nous avons en partenariat ou des étudiants toulousains qui s'intéressent à la marine puissent visiter la frégate. Et pour moi, ce genre d'échange et de contact est vraiment très important parce que on se rend compte que c'est ce qui permet de, voilà, de pas forcément de convaincre, mais de montrer la vraie vie. Et mon quotidien, c'est ça, c'est de montrer ce qu'on fait, notre métier et la vraie vie de marin. Voilà. Je souhaiterais encore re rebondir sur deux éléments que je trouve vraiment intéressants
enfin, à travers ce que disaient Eva ou David ou Laurane, c'est que tous, on se retrouve à exercer plusieurs responsabilités dans un même poste, en fait. Et voilà, ça, c'est encore un facteur qui fait que ça augmente nos expériences. Et puis par rapport à ce qu'on évoquait tout de suite, et notamment Sylvain, c'est que dans les armées, donc on peut rejoindre les armées, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, à tout niveau scolaire, ça on l'a vu. Mais le recrutement s'arrête pas là, c'est que derrière, en fait, on est tous formés en fait en permanence, on acquiert des qualifications. Et c'est des qualifications qui sont reconnues dans le civil et qui nous permettent aussi de poursuivre une seconde carrière dans le civil. Et pourquoi je parle de ça? Parce que néanmoins, alors même si je suis un des plus anciens ici, dans les armées, c'est des métiers qui sont quand même exigeants, qui sont physiques, et on est relativement jeune. Moi, je vois pour la marine, la moyenne d'âge, c'est 29-30 ans. Et les marins, en fait, beaucoup de marins, après une carrière dans la marine, justement, je pense aux sous-mariniers, par exemple, et qui vont faire 15 ans dans la marine, dans la filière nucléaire, par exemple. Et beaucoup d'entre eux, après, partent travailler chez EDF, dans des centrales nucléaires, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, alors, comme je suis communicant et que je suis chargé du recrutement, je peux pas m'empêcher quand même de faire juste un petit coup de pub. Avant de donner encore quelques détails, c'est pour obtenir davantage d'informations sur les carrières dans les armées, il y a trois sites à connaître où vous pourrez vraiment trouver toutes les infos qui vous intéressent. C'est vraiment très bien fait. Alors, je parle pour la marine, tout d'abord, êtremarin.fr. Vous tapez sur Google êtremarin.fr et vous trouverez vraiment plein d'infos intéressantes, des témoignages aussi. Un petit peu comme nous ce soir, quoi. Vous pourrez entrer directement en contact avec des marins, chatter, voilà. Pour l'armée de l'air, c'est deveniraviateur.fr. Et enfin, pour l'armée de terre, c'est s'engager.fr. Voilà. Pareil. Donc sur ces trois sites, plein d'infos intéressantes. Il y a une autre plateforme encore qui me tient à cœur, moi, parce que je suis communicant et je sais bien que rien ne vaut le contact, la discussion, comme on le fait ce soir, pour faire tomber les masques. Enfin, tomber les masques, c'est peut-être pas trop le moment pour l'instant, mais pour apprendre à mieux se connaître. Et c'est la plateforme My Job Glasses. Je sais, nous, on a beaucoup de marins qui sont présents sur cette plateforme et vous pouvez entrer en contact direct avec des jeunes qui étaient étudiants ou qui ont décidé de s'engager. L'armée de l'air, c'est pareil, fait la même chose. Et puis sinon, bah, comme en face de nous, je parle un peu au recrutement, on a surtout plutôt donc des étudiants. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est valable dans la marine, mais globalement, c'est valable dans les trois armées. Vous avez plein de possibilités pour découvrir nos institutions et pour nous rejoindre. On parlait de stages tout à l'heure. Effectivement, les stages sont une première opportunité pour des jeunes niveau bac plus 3, bac plus 5, avec des contrats armée jeunesse qui vous permettent de travailler dans nos institutions. Encore une fois, vous trouverez davantage d'informations sur nos sites, mais voilà, les contrats armée jeunesse, c'est une opportunité de faire des stages. À l'occasion d'une année de césure, par exemple. Alors, je parle un petit peu plus pour la marine, mais c'est à peu près pareil dans les autres armées. On a tout type de contrat et tout type de métier à proposer et pour correspondre vraiment aux attentes du plus grand nombre, en fait. Je parle des contrats les plus courts. Par exemple, on a les contrats de volontaires, officiers aspirants pour des jeunes. Qui souhaitent justement découvrir l'institution. Il faut le considérer un peu aussi comme un stage en entreprise. Ça dure un an. On n'est pas bien payé, comme disait Sylvain. Mais c'est une super expérience parce qu'on peut se retrouver affecté dans les forces, sur des bateaux, dans des bases de l'armée de l'air. Voilà, c'est les volontaires officiers aspirants. Et puis pour les jeunes, donc ça, c'est niveau à partir de bac plus 2. Et puis à partir de bac plus 3 jusqu'à bac plus 5, on a les contrats d'officier, voilà, les contrats d'officier, officier état-major pour des postes plutôt à terre. Dans les postes d'officier état-major, on a les relations internationales, on a la communication, par exemple, comme moi, où on peut se retrouver comme officier communication.
dans les RH, dans les langues, enfin voilà, il y a pas mal de filières. Après, on a les postes d'officier sous contrat opération. Et alors, dans les postes d'officier sous contrat OPS, on appelle ça OSCOPS, dans la marine, en fait, on a plusieurs filières. Il y a déjà deux grandes filières, c'est vraiment la conduite des opérations ou tout ce qui est énergie, propulsion. Ça, c'est les deux grandes voies. Et puis après, on a des postes plus spécialisés, notamment le renseignement. C'est un exemple. Les télécommunications. Et ça, tout ça, c'est des postes embarqués avec des affectations, avec des contrats, voilà, qui sont de 4 ans et renouvelables en fait derrière. Donc, on peut faire 4 ans, 8 ans, 15 ans et potentiellement être activé comme l'expliquait Sylvain ou Eva tout à l'heure, avec des possibilités de faire carrière.